Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans Débat pour Français, une émission qui passe sous Cadence TV chaque jour. Côté, nous chercher information pour vous, nous venons partager à vous et nous permettre tout mieux comprendre ce qui a passé dans le pays parce que nous faisons des analyses, nous faisons des suggestions et des recommandations. Et si c'est la première fois que je suis sur la chaîne là, ou du moins sur la chaîne là déjà, mon pourquoi j'aime abonner à la chaîne là pour nous grandir famille Cadence en plus. Et cliquez sur le bouton ça marqué subscribe ou bien abonner. Et puis cliquez sur la petite notification belle là, sur la petite cloche là de bon côté là, pour chaque temps nous monter, pour nous voyer et notification bas ou la caillou pour connaître que nous dans l'air après chaque émission de fin fait, ou du moins pendant la fin émission. Et pas oublier tout, partager l'émission sur toutes les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Pas oublier partager tout sur WhatsApp pour permettre que plus de monde tende, plus de monde garde et vous pouvez mieux comprendre ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Sans plus tarder, je dis à la, nous allons entrer avec un reportage que Roselot Alfred a préparé pour nous parce que nous connaissons gagné. Et examen 9e année fondamentale dans le pays d'Haïti, eh bien, Roselot Alfred lui-même, qui est journaliste, non, correspondant permanent dans le pays d'Haïti, il était préparé un papier pour nous. Et puis, après ça, tout, nous avons gagné Ronald Xavier qui préparait un reportage pour nous. On nous suit sans plus tarder avec Roselot Alfred, reportage qu'il était préparé pour nous sous examen fin d'année pour 9e année fondamental dans le pays d'Haïti. Jean ministère éducation nationale et formation professionnelle t'a annoncé examen officiel 9e année fondamentale pour année académique 2021-2022. Séance examen yo déroulé journée lundi 20 juin 2021 sur tout territoire national là pour bout 22 juin k'ap vini là. Selon ministère éducation nationale, gagné 201280 candidats k'ap gen pour sibi épreuve yo dans tout 10 départements pays a 80837 candidats ap gen pou sibi examen yo pou département l'ouest pays a. Caroline Chevaux ak lycée Marie-Jeanne, c'est quelques centres examen journaliste Cadence TV te visité pour premier jour épreuve yo. Côté Erna Lambert qui se responsable centre Caroline Chevaux ak Jeudi Lambert, yon nan responsable centre lycée Marie-Jeanne, fait quoi tout bagay avance bien même si te gen quelques retards. Mais ça pas empêché déroulement examen au fait Jean ministère te prévoit là. Bon, pour premier jour, hein, nous commençons à temps, c'est-à-dire que nous t'agon ti retard de 10 minutes seulement parce que nous t'avons un examen nous bay ti monyol. C'est un examen qui était supposé commencer à 9h, nous commençons là 9h15, pas vrai? 9h15, nous là nous finir à 11h30. D'accord? Mais n'a pas c'est communication française. Oui, ou abjoun de cas, vous comprenez, mais c'est après que nous finissons faire la première rentrée, nous avons donné combien d'élèves qui y a 231 candidats. Cette salle d'examen, alors? Bon, naturellement, le lycée Marie-Jeanne a fonctionné très bien. Nous avons 2 L, nous avons L1, nous avons L2. 2 L, là, tu as supposé 660 candidats. Nous avons un taux d'absence qui voisinait 7 à 10%. OK, candidat qui pas présent, nous te gen des cas d'absence, vu un problème embouteillage, donc nous censé résoudre problème ça yo, donc n'a fonctionné très bien, pas gen irrégularité jusqu'à présent, nous capable dire tout est OK. Gentil Michael ak Altidor Ashley, c'est deux candidats qui sorti dans collège Saint-Martial qui tombé dans centre Caroline Chevaux, d'après ça yo expliqué examen pas trop difficile pour yo, yo fait connait y a prêté temps reste journée examen yo vini à la portée chaque grand élève. Jamais été bon, il est facile. Oui, communication française. Qui ça va faire après c'est expérimental. Vous parlez pour examen là? Oui. Moi examen pas facile, même j'aime yo connais bon l'école moi. Et tant que c'est l'école. Oui. Pas aucun stress. Non.
Si pour quel candidat premier épreuve là pas trop difficile, pour quel Claude c'est pas même bagaille sin ka kwè Jocelyn Jean qui c'est élève Jacques Roumain, li mandé à responsable ministère permettre yo sibi examen qui nan calendrier scolaire que yo té apprendre nan propre l'école pour année académique là. Bon, m'ai entré dans salle depuis à 8h et puis examen on té bali à 9h et puis examen pou bien jour, examen c'est nous mettre tête ensemble nous travail parce que gen pile question nous jeune là pour moi même nous pas travail on va travailler dans la classe. Dans la classe. Oui, pour bien jour, mais tout ce qu'on a fait l'ange, je crase là. Pour moi même c'est après résultat parce que on a fait l'ange que on crase un examen et puis dans résultat vous voyez éventuellement dans net et les sont pas le temps de parler là dans connia. Mais moi même, juste pas quitter faire moins blanche. Je fais ça capable. Je fais ça capable par contre pour l'autre examen qui va venir, c'est la même gens encore. Et s'il t'a même. Eh bien, c'est ça me cavoye dire. Bagay ne travaille l'école, yo même pour yo bagay pas bon bagay qui passe sous temps divalier que m'pas travailler l'école là et puis pour yo voir mon examen, comprend? Faut bon moi normalement et pas c'est bagay que m'pas travailler pour venir. Bon moi et puis bagay m'pas connait, m'pas travailler sur dans classe et puis bon moi. Dashmin Jodesti, c'est un élève lycée Marie-Jeanne qui composé dans lycée A qui c'est un dans centre dans capitale là. Li fè konnen examen communication française là te paraît facile pour li ak tout élève qui te étudier leçon yo. Cependant, lycéen nan fè kwè c'est pas yon examen kap facile pour si là qui pas étudier yo. Premier jour examen te déroulé très bien pour moi parce que examen yo li pas vraiment difficile. Parce que li difficile pour moun ki pa étudié, mais tout facile pour moun ki étudié. Examen n'est pas difficile, que t'es très bien pour nous. Commencement, examen très bien. Qu'est-ce que t'es bien élaboré? Je t'ai fait un faux titan, je t'ai fait un faux beau titan chita avant de bon examen. Oui, premier examen. Mais notre là, nous allons faire ce expérimental, côté que la biologie et la physique. Face à turbulence et instabilité qui gagne dans le pays, qui la cause nèg exam a tiré coup de balle dans quelques quartiers populaires dans le moment déroulement examen yo, qui c'est une situation qui empêchait élèves yo joindre chance pour al passer épreuve yo pour date officielle si la ministre éducation nationale et formation professionnelle là Nesmi Maniga a déjà annoncé ministère a prend toutes dispositions nécessaires pour organiser une reprise spéciale pour ensemble candidats sa yo qui pas arrivé composé dans examen yo. Roselor Alfred depuis capitale Port-au-Prince pour Cadence TV. Merci Roselor Alfred et pour reportage ça. Sans plus tarder, nous pral entrer avec Ronald Xavier, lui-même qui était préparé un reportage pour nous. Renouveler mandat Nations Unies en Haïti causé ça fait en pile parler causé ça l'a fait chemel dans mitan peuple haïtien parce que yo dit yo pas d'accord bagay ça a piche connait l'esprit en pile nos compatriotes nous yo une nouvelle qui sonné sous connait c'est un coup de l'orage qui tombé dans mi-temps peuple haïtien. Les autandé moucher l'état à travers gouvernement premier ministre de facto criminel sans vergogne moucher Ariel Henry a manigancé a maimou l'école pour le renouveler mandat bini encore dans pays ya. En pile débat qu'a fait question qu'a posé qui sa Nations Unies utile Haïti? Les rappelons, depuis 2004, présence Nations Unies dans le pays a sous nom ministre. Mission des Nations Unies pour la stabilité en Haïti. Ça veut dire, yo te vin mette la paix. Ça veut dire, pays a pas stable, yo te vin stabiliser. Yo te vini pour yo mette la paix dans tout pays. Mais ces dames sa yo fait environ 13 l'année a bien touché dans pays. Ça veut dire yo c'est seul roi, yo c'est seul coq chanté dans tout côté au passé c'est ministre ou croisé dans tout raccoin ou croisé ministre. Pourtant en guise pour yo te mettre la paix,
qui vin piplis, c'est la guerre. C'est tête chargée qui te vin piplis. C'est plus groupe gang qui te prend naissance. Plus viol sous Timoun yo, tant coup viol sous ti Johnny Jean. Ministre yo te violé dans Léogan. C'est choléra yo te quitté pour nous. Côté pour plus passer 800 000 frères Naxen. T'es touché, t'es passé en bas gros maladie ça, ça qui t'est fait vrai pour payer sans chapeau, pas de compter. Malgré tout, l'État haïtien t'est continué renouveler mandat mission Nations Unies, mais fois ça, c'est sous une autre forme. L'État paraît tête li qui c'est Minijis, mission des Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti. Ha. Fois ça a été fait seulement 10 ans. Après passage Minijis, vin gen plus corruption, vin gen plus vol dans la justice, dans la coup pays d'Haïti. Question qui passe suspend posé dans mi-temps haïtien yo. Qui Saloni te vin fait en Haïti? Est-ce que c'est pas oublié, l'oublié mission? Après démission Nations Unies fin fait dans pays a yo senti yo pas satisfait, yo senti yo pas piller pays a assez, yo changé nou yo des ministre Minijis à Bini qui c'est bureau des Nations Unies, bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Fois ça, c'est pas pour sécurité encore, mais yo foure pied yo nan cause interne pays a qui c'est politique. Après 4 l'année bini fait nan pays a jodi a, malgré yo failli avec mission yo côté instabilité politique, tribo yo pa bon, insécurité même c'est pas parler. Moun sa yo ap maimou le ko yo, ap fè gwo pression sou l'état haïtien pour renouveler mandat yo encore. C'est parti pression y a pour. Pourtant, en bas de Grenjebini, en bas de Naweloni à travers madame Laline, yo groupe bandi local, yo groupe mercenaire local coup international entré kay président Krabinel, Maspinel et puis Touyel. Jusqu'à présent, l'ONI poko chanm en mezi pour bay bon jan explication sou ki jan président fait moun. Len rappele ou, l'ONI mission l'ONI depuis l'autre côté, c'est mettre stabilité. C'est faire pays ça, c'est mettre sécurité. Pourtant, ba Denawel l'ONI et tout yon président en fonction. Et tout yon président. En pile haïtien parmi yo Jovenel Issio a dit cadavre président Jovenel Moïse sous épaule madame Lalime à travers l'ONI. Côté, li pa jam di anye, même yon ti mol pa jam di. Je di ya, pou la vin mande, pou l'état renouvelé mandal anko. Est-ce que Haïti se yon savan? Est-ce que sa Haïti se yon kote chak moun ki bezwen vin passe, vin piye? Est-ce que Haïti son miel lié, son gâteau miel, chaque moun vini ou vini pranti si ou yo. Est-ce que Haïti, son kay ki abandonné, ki pa gen moun, ki rete la dan, apote ouvert, depuis la pli tombe, tout moun entre sans frapper? Parce que, en dan gen let avec miel kap koule, tout moun bezwen vini piye ti mou sou pa yo. Après 22 l'année, l'ONI passe en Haïti, il n'y a pas réglé rien
en guise ça c'est bravo là contentement yo te baye les plusieurs groupes gang te mettez tête ensemble yo te fédéré yo fait un sel à travers madame Lalim de te bat bravo là contentement pour te dire oui moun yo guérison pour yo faire un sel. T'assemblée les affaires sécurité n'a pas parlé de l'IA. Il pas intéressé madame Lalim. Oui, il pas intéressé madame Lalim en Haïti, c'est une question de politique. Pays, c'est une question de élection politique la parlé qui intéressé madame là assez. Les songer madame ça a marché avec baleine. A marché avec lumière dans main car tout acteur politique dans pays a pour mander pour dire là y a mettre yo président provisoire qui droit madame Lalim pour entrer pour la dit la mettre moun président provisoire. Est-ce que c'est mission ça madame Lalim te vinn régler dans pays a ou bien c'est l'appel de vin aider nous joindre. Ronald Xavier, depuis Haïti, pour Cadence TV. Merci. Merci, 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 Ronald Xavier. Et nous avons traversé, et bon. Et nous avons mené un combat. Et un bel combat que nous avons mené. On combat côté nous songer le ministre éducation nationale là Inès Mimaniga t'est sorti pour te faire et on quoi dernier jour examen baccalauréat pour te tomber et le 7 juillet date assassinat président Jovenel Moïse hein? Et bien nous même la Cadence TV et à tant d'autres monde encore nous t'est levé campé. Nous te dit ça pas qu'a fait ça impossible pour un président assassiné en fonction président en fonction il assassiné la chambre la Kaili oligarque corrompu mêlé avec politicien rabi politicien pourri mêlé à mercenaire international et national il assassiné pendant le sous pouvoir et puis date ça pour c'est le ça Nesmi Maniga ministre éducation nationale a été choisi pour le faire dernier jour baccalauréat. Comme étant donné nous-mêmes dans Cadence TV, les nous parler parce que nous voulons que société a comprenne ça n'a dit et prend parole n'a dit tout on gens parce que nous-mêmes nous toujours dit ça nous là pour l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. Eh bien chose dit chose faite, le conseil des ministres qui était fait là et eh bien yo mettez 7 juillet à partir de jeudi à là 7 juillet en pays d'Haïti, c'est jour férié lié. Ça veut dire c'est journée pas gain travail. Mais c'est pour une journée de bamboche, c'est pour une journée de fête, c'est pour une journée de célébration, mais c'est plutôt une journée de commémoration, une journée de réflexion côté moun haïtien haïtienne qui en Haïti que à l'étranger, y a réfléchi sous date ça. Il a réfléchi sous œuvre que président Jovenel Moïse t'a fait qui cause assassiner. En tout cas, plaidoyer nous t'a fait les rivé. Nous t'a dit que pas oublier c'est nous c'est premier monde qui t'a demandé pour jour ça, t'es un jour férié. Et n'a regardé pour nous en conseil des ministres, yo réuni et bien à partir de jeudi à là 7 juillet en pays d'Haïti. C'est un jour férié, c'est commémoration et assassinat président Jovenel Moïse. Et nous connaissons en pile et nous avons dit activité qu'a fait le jour 7 juillet ça. Nous connaissons 10 départements géographiques dans le pays d'Haïti a gagné commémoration pour président Jovenel Moïse qui a été assassiné 7 juillet. Et puis aussi à l'étranger et plus précisément dans l'état Washington DC devant Maison Blanche. Eh bien, a gagné commémoration tout assassinat président Jovenel Moïse 7 juillet
2022. N'a demandé tout le monde sa carte fait déplacement pour aller que c'est en Haïti que à l'étranger aller al porter support nous al commémorer et Goko Kenchen garçon ça héros ça qui tombé dans mauvaise condition côté assassiné en dans chambre la caille. En tout cas, et 7 juillet 2022 sa premier jour férié et ensuite tout 7 juillet dans le pays d'Haïti a jour férié même janvier 17 octobre et son jour férié eh bien 7 juillet tout l'a fait partie la patrie dans calendrier nous dans le pays d'Haïti comme on joue férié. La police font gros coup de filet. La police font gros coup de filet. Et coup de filet que la police fait, nous ka dit et y a travail parce que nous même dans Cadence TV, nous encourager bon bagaille. La police ça font bon coup de filet, nous encourager. Le mal comporté ou tout, eh bien nous même tout, nous fait des critiques mais des critiques constructives. Eh bien coordination la presse et relation publique police nationale là, eh bien il fait qu'on est que individu ça qui relé Malaï Ortiz Missies, mais monsieur son dominicain et bras droit s'il appli qui c'est bandit chef gang Grand Ravine et monsieur tout qui était un membre influent l'en base et la boule là et qui était dans tête li Carlos Petit Homme alias Timacac qui t'a dirigé. Eh bien, là on mettait la patte sous dominicain ça Malaï Ortiz, monsieur fait connait le chaque gang yo gen plusieurs dominicains ka bay support ka permettre que gang yo bien fonctionner. Ça veut dire dans toute gang wap gade yo, qu'il se gang 4 Samaozo, qu'il se gang Iso 5 secondes, qu'il se gang Tilapli, qu'il se gang Torsel Vite l'homme, toute l'autre gang yo que le pays d'Haïti, eh bien dominicain ça fait connait que gen pile dominicain participer là-dedans. Qu'on a question à poser tête nous. Est-ce que gouvernement dominicain au courant qu'il y a un bandit qui sorti la caille et qui vient bail jarrette à gang dans le pays d'Haïti qui vient créer instabilité qui vient déstabiliser pays a un gens pour haïtien qui a quitté Haïti et à investir en République dominicaine? Ça c'est question à poser. Moi pas accuser gouvernement dominicain mais cependant c'est question à poser parce que comment se fait-il que j'en ai déjà parlé à la Ortiz, il fait connaître que chaque gang yo gen dominicain kap ba ou bakop. Et le monsieur même fait connaître tout que zam gang pelan zam yo c'est en République dominicaine yo passé sous frontière puis entrer en Haïti. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire comme étant donné DCPJ a continué cuisiner monsieur, l'a continué chercher côté vérité ayé et bien pour nous ka connait nous même comment on a une analyse pour le moment. Comme nous pas gagne pile information sur ça, n'a pas campé là, nous pas veut spéculer, nous pas veut porter préjudice à aucun pays, à aucun gouvernement, à aucun monde. Mais cependant, n'a pas continuer poser question. N'a pas continuer demander est-ce que République dominicaine, est-ce que c'est pas service intelligence dominicain qui l'a gagne moun sa yo pour venir paniquer Haïti? Parce que nous remarquer depuis la instabilité en Haïti a gon richesse qu'a traversé sorti en Haïti qu'à la République dominicaine. Des millions et des millions de dollars à investir en République dominicaine côté la grandi assiette fiscale la République dominicaine. Pendant ce temps nous même dans pays d'Haïti nous pas ca bailler rien, nous pas ca régler rien parce que gang imposé nous fonctionner et économie craser plate à terre. Ça c'est question n'a posé et question ça arrêté et sujet ça tout n'a continuer avec le puis devant là nous gain plus information sous gang dominicain sa yo qui vient faire partie de gang en Haïti pour ka déstabiliser pays a. En tout cas, bravo la police nationale, continue faire effort, continue et travail pour permettre que gagner et stabilité dans pays d'Haïti. Jodi a la c'est anniversaire un coquin chaîne garçon, et faut nous mettre photo toua. Photo tout là, ben quelques secondes et je dis à ses anniversaire un gros coquin chen garçon pas ta capable dire et bonne fête c'est commissaire Muscadet. Je dis à là c'est anniversaire
et commissaire Muscadet, eh bien, n'a pas dit commissaire Muscadet, et bonne fête, continuez la soif faire, pas quitter ou intimider, pas ni à gauche ni à droite, continuez et portez nous qu'a dit tranquillité, la paix, la sérénité. L'année plein depuis que j'ai fini comme service cadet, moi monsieur pas prend l'impression parce que c'est pas dépression bandit tes besoin et bail commissaire Muscadet, mais commissaire Muscadet dit pas prend l'impression, l'a continué faire travail, l'a continué et permettre que population l'année plein ralon souffle, et commissaire Muscadet dit pas fait bac. Et bien n'abdou joyeux anniversaire, commissaire Muscadet, Jean-Ernest Muscadet, bonne fête. Nous souhaitons courage et pas jamais oublier que la population haïtienne n'a campé avant. Et pas seulement peuple qui est dans la zone ni plan, non, campé avant. C'est haïtien qui est en Haïti, qui est à l'étranger. Tout bon haïtien, tout haïtien qui est conscient et conséquent, tout haïtien qui a aimé que le pays a la paix, la tranquillité, la sérénité, tout haïtien qui a aimé que bandit sa ou gang pas existe encore, eh bien, yon tout font faisceau que yon Haïti que à l'étranger au campi dehors, yap supporto. Encore une fois, n'abdou commissaire Muscadet, bonne fête et enjoy journée sa la. Et men konon même ou pas dormi, parce qu'on remet pour toujours continue à traquer bandit, continue à traquer bandit yo. Et puis, n'abdou encore une fois, joyeux anniversaire, bonne fête. Commissaire Muscadet. Bon, et il y a un peu de problème dans la République, mais comme nous, même le cadre de Steven, toujours chercher information pour nous, pour nous partager la avec nous. Et il y a plusieurs et causés, mais nous choisissons et parler de ça. Nous connaissons que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, que Liz Kittel lui-même, c'est lui-même qui est ministre intérieur, c'est lui qui a dirigé boîte ça. Eh bien, nous connaissons que c'est Petite Dessalines et Moïse Jean-Charles qui mettait monsieur là. Eh bien, nous songeons que monsieur Tebaye, Moïse Jean-Charles, passeport diplomatique, nous connaissons que et tout l'autre bagaille qui gagne, tout et Tebaye, monsieur même 6 à 7 policiers, eh bien, relation toujours là, bien clean, nous t'a dit entre eux, Moïse Jean-Charles et Liz Kittel, qui c'est ministre intérieur, parce que c'est ministère Moïse Jean-Charles là même. Mais, gagne un gros problème dans le ministère intérieur des collectivités territoriales. Nous avons manqué que le gouvernement Ariel Henry, avec toute l'équipe SDP, nous connaissons Fusion, Unité, Vérité, nous parlons de Soel Jacinthe, Edmond Siplice Bozil, Tolbe Alexis, André Michel, et Majorie Michel, Nenel Kassi, Rika Pierre, et Rosemont Pradel, et Latrier. Eh bien, nous avons marqué Moïse Jean-Charles, nous avons oublié Moïse Jean-Charles, vous connaissez le cas. Nous avons vaste, nous avons dit, gaspillage que M. Damsa a fait en l'État. Est-ce que nous connaissons quelque temps, Liz Kittel lui-même, c'est le Montana qui fait office li. Pendant ce temps, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, gon bel building, combien millions et de millions de dollars qui dépensaient pour mettre building ça à camper, nous songer, et building son building tout neuf qui fait, parce que et tremblement de terre 2010 écrasé ministère de l'Intérieur. Eh bien, monsieur, comme étant donné, monsieur Sorcier, l'argent a fait et a permis 6 ans, yo, moun qui te permet yo, et n'a dit chavirer et assassiner président Jovenel Moïse. Eh bien, c'est l'argent fait. Nous avons dépensé actuellement là, pendant un bel office, un bel building ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales. Eh bien, qu'on y a là, monsieur fait office là, c'est le Montana. Et nous avons combien de cobs Liz Kittel a payé par mois hôtel ça? 6 millions de gouttes par mois pour faire office là, en dedans Montana. Pendant ce temps, ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales, son building moderne. Belle bagaille qui fait. Tout le monde est building. Non, bon, parce que je ne pas gâte. Mais je regarde des photos, mettez des là. Ces photos et Montana. Bon, mettez.
Bon, mette et photo à la sur écran pour nous. Bon, mette photo à la sur écran pour nous. Building non? Belle bagaille. Un bel building. Bon, mette photo à pour nous là, parce que bagaille ça ou, il fait me fait mal mes amis. Bon, montre nous building ministère de l'intérieur et des collectivités territoriales là. Après qu'on y a un bras pour qui ça? Litskitel a bay 6 millions de goud par mois pour Yoka et 6 millions de goud par mois pour li mette office li. Excusez-moi, bon quelques secondes, m'a fait ça là en temps réel. Li mette office li, c'est le Montana, l'hôtel Montana. Bon mette ça nous là, c'est Montana, même pral retire Montana, m'pral mette et ministère de l'intérieur. Building ministère de l'intérieur et des collectivités territoriales là nous prenons est-ce que ça c'est pas pure méchanceté est-ce que ça c'est pas méchanceté est-ce que monsieur Sao comme étant donné yo gon mission c'est vinn faire l'argent mission c'est vinn craser l'état complètement mes amis mais bagay ça aussi bagay ça fait mal hein. Yo fait mal mettez building yo là et puis pour nous kawé building et ministère de l'intérieur et des collectivités territoriales parce que nous connaissons grand pile monde qui pas connaît nouveau building ministère de l'intérieur mais mettez le derrière là pour nous un building moderne qui inauguré là. C'est soit administration Martelly hein? Et puis pendant président Jovenel Moïse vini là, yo fin concrétiser parce que il était fini depuis soit administration Martelly hein? Mais il y a quelques petites touches puis te fait et puis qu'on y a là mes ministères oui là. Pour l'étiqueter jeune moyen comme étant donné monsieur Sao c'est sous corruption yo vive et c'est l'argent nous connaissons caisse noire tout le ministère de l'intérieur des collectivités territoriales qui t'a supposé là pour intelligence. Mais comme ça, c'est l'empoche. Nous qu'a dit équipe Moïse Jean-Charles aller parce que comme nous connaît Moïse Jean-Charles pas gain business, il pas travail. Monsieur son politique c'est qu'a monter descendre pour monsieur gain deux cailles et la zone comment il est côté sans côté grand négoire et puis pour gain cailles étrangères son je ne te font émission. Il y a de cela deux ans combien un an côté nous te montrer nos cailles Moïse Jean-Charles gain là West Palm Beach. Côté le gain West Palm Beach appelle gon l'autre dans Orlando. Ça veut dire ça au fond nous essayer alerter l'opinion nationale et internationale si gon bel building moi comprendre si pas de gain espace building n'est pas il a pour construire on comprendre ça mais cependant pendant gain un bel building comme ça qui là et puis pour l'itskitel lui-même li établi bureau en dans Montana. Et puis pour la payer 6 millions de goud par mois, nous trouver que bah ça indécent, nous trouver que pays d'Haïti pas mérité ça. Pays d'Haïti pas mérité ça. M'pa wè Moïse Jean-Charles dénoncer ça. M'pa wè André Michel dénoncer ça. M'pa wè Nenel Kassi dénoncer ça. M'pa wè Sorel Jacinthe dénoncer ça. Et gon paquet l'autre journaliste que monsieur Sao gagne l'en poche. Eh bien, pas attendez, il y a dénoncé ça. Mais nous-mêmes, en tant que nous qu'a dit, un monde qui là pour protéger et aider que l'argent l'État a bien géré, eh bien, moi-même, je porte ça à l'attention de nous. Et très prochainement, nous allons venir avec plus d'informations sous dossier ça. Nous allons arriver à la fin de l'émission. Hein? Même pas tapka, pas passer cette vidéo ça pour nous, avant d'entrer dans les affaires. Code pénal et code de procédure pénale qui était supposé entrer en vigueur demain 24 juin 2022 parce que nous songez il était publié dans le moniteur et l'heure était publié c'est pas et après 2 ans il était supposé entrer en vigueur et raison hein, c'est parce que le fait changer un code pénal ou bien un code de procédure pénale. Li supposé l'État haïtien supposé marcher dans tout pays et aussi aller dans toute juridiction yo pour tout avocat, tout juge,
moun, même comme des mortels là, pour qu'on ait qui ça qui en dans code pénal là. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais si l'État pas fait ça, pas passé pendant 2 ans, et ça fait un espace de 2 ans, pendant 2 ans, puis vous vulgarisez, puis vous permettez que tout le monde connaît qui ça là-dedans, pour que vous ne pas dire ou pas de connaître. Mais cependant, nous, ouais, 2 ans, arrivé là, 2 mai, vendredi 24 là, eh bien, Ariel Henry, lui-même, en conseil des ministres, lui renvoyé. T'as coup, Jean, que code là, t'as supposé entrer en vigueur là, le 24 là, pour on l'autre 2 ans encore. Ça veut dire qu'on y a là, code là, a entré en vigueur en 2024. Mais cependant, tout n'est pas perdu. Espoir pas perdu. Parce que code pénal, ça a bon en pile. Et nous songez, t'es gon paquet de blousailles, ben, moun pasteur, paix, te pren la rife ma kak, di kon sa ke kod penal la di, garçon ka mari a garçon, garçon ka mari a bête. Pendant ce temps te di nou, kod penal la pa la pou le fixer bagay sa ou, c'est code civil, c'est ça. Ok? C'est code civil la ki l'en cause union, l'en cause mariage. Ok? Mais code penal la pa gen pou ou l'en bagay sa ou. Pabli m te di sa, et nou we, Jean-Renel Senatiste te fon gros sorti encore, en pi, jusqu'à ce que Ariel Henry prenne l'impression, comme étant donné, nous pas connaît monsieur Tijan paix et puis qu'on y a là en conseil des ministres li passé ministre Léolod pour yo renvoyer et code pénal là que tu as supposé entrer en vigueur demain 24 là. Mais comme moi dis nous, tout n'est pas perdu. N'importe qui président qui vient là pendant les élections, li ka décider mettre parce que le gars t'a fin entrer dans le moniteur. Il était en publier dans le moniteur. Et Ariel Henry pas gen nul droit pour le faire ça le faire là. Comme étant donné nous pas vivre sous la loi, pas bien me dire nous ça. Actuellement là nous pas sous la loi, n'importe monde qui fait n'importe qui bagaille. Et c'est ça que fait, il fait ça pas gagné qu'arrivé. Mais cependant pas oublier gon président gen pour venir là. Très bientôt, il ca mettre code là en vigueur. Rapide presto sans gratter tête parce que code pénal nous gen là. Li date, li gen 182 l'année. OK? 182 l'année. Ça veut dire li té l'œil té temps pour nous té gagner et puis bon, mon madame m'a dit encore. Bon, tout moun sa ok rele tête yo juriste. Qui rele tête yo gwo avocat? Qui rele tête yo docteur en droit? Bon, pour nous nan pays pour n'a fonctionner son code pénal, un code de procédure pénale qui gen presque 182 de l'année. Gardez pour nous, on font petit bac. On garde pour nous la 182 l'année qui ça te gagne. On garde la 182 année qui ça te gagne. Est-ce que nous pas connait que code pénal là et le code de procédure pénale là doit adapter son bagage qui t'a supposé chaque 25 ans pour faire modification là-dedans, oui. Parce que pas oublier monde l'a changé. Chaque 25 ans, longtemps pas de question de internet, longtemps pas de question de réseau, longtemps pas de bon paquet de bail qui va gagner. Ça veut dire, il était supposé chaque 25 ans pour on met passer là-dedans et puis pour parlement lui-même jouer rôle lui. Bon, qui ça parle haïtien? Ça parle haïtien était utile là même là. 182 ans. Ça parle haïtien était utile là. Et puis kounya là, l'on président vini, il voulait moderniser et code là pour qu'à adapter avec temps. Malgré nous fin assassiner, nous pas jamais travail isolé. Et puis coule pour arriver la date pour l'entrée en vigueur, et puis qu'on y a là, nous fait complot nous voulons pour dès l'autre année encore. En tout cas, avant nous aller plus loin, Jean-Renel Senatiste a battu col là. Monsieur a parlé, monsieur monté, il a parlé. Et bien on font titan de éviter l'homme non. On tente d'éviter l'homme. Parce que monsieur bat col trop, nom qui est le Senatiste. On font titan d'éviter l'homme, comment éviter l'homme tap et qui relation il y a avec Jean-Renel Senatiste. Entendez. Je n'ai pas dit moi Jean-Charles qui t'aime dans route, ni m'a dit Senatiste qui t'aime dans route. Politique. Ici c'est réel Kamakoel. Raison. Nèg yo là on veut négocier au commencer Dieu. Mais m'a dit tout nèg. Les Senatistes besoin c'est dans ça le cas d'une chita parler. Les moi Jean-Charles besoin ni compte côté pour jeune moi. André Michel ensuite. Tout nèg compte qui est-ce qui moi. Nous sommes hommes politiques.
et me fait carré faire politique. Et yo ton paquet nèg yo dit c'est nèg moi. Et pourtant si nous t'avons arrêté nèg moi, nous t'avons arrêté Maurice Jean-Charles, nous t'avons arrêté André Michel, nous t'avons arrêté Chile Louis Don. Est-ce que vous entendez? Nous t'avons arrêté bon sénatisme même enfin. C'est premier pour nous t'apprendre. C'est nèg ça qu'on a arrêté pour moi. Même dis nous ça, nous bien compter mal calculé. Et Léon Charles, l'heure est que la fête clair c'est jour le bras jour. Pas oublier, bien préparer la caille même l'heure presque. Et m'a dit ça, vous mettez des millions et des millions dans mon, moi ils ne sont pas assassinés. Moi pas dit moi Jean Charles qui t'aime dans route, ni m'a dit sénatrice qui t'aime dans route. Politique, ici c'est réel Kamakoel. Raison. Nèg yo lè ou vla négocier ou konnonse Dieu. Mais m'a dit tout nèg, les sénatis besoin c'est dans sa loka y m'chita pa lave. Lè moi Jean Charles besoin ni kon kote pou jeune moi. André Michel ensuite. Tout nèg kon ki est ki moi. Nous sommes hommes politiques. Et me fait carré faire politique. Nèg yo a ton paquet, nèg yo dit c'est nèg moi. Et pourtant si nous t'avons arrêté nèg moi, nous t'avons arrêté moi Jean Charles, nous t'avons arrêté André Michel, nous t'avons arrêté Chile Louis Don. Est-ce que vous entendez? Nous t'avons arrêté bon sénatisme même enfin. C'est premier pour nous t'apprendre. Est-ce que nous connaissons une raison qui fait Jean-Renel Sénatus te camper en quoi contre le code pénal là? Raison qui fait le camper en quoi contre le code pénal là? S'il t'entre en vigueur demain, samedi ou t'as marre, t'as coup crabe. S'il t'entre en vigueur, si le code pénal t'entre en vigueur vendredi 24 juin, André Michel tape en bas code, Nenel Kassi tape en bas code, Majorie Michel tape en bas code, Sorel Jacinthe tape en bas code, Chile Louis Do tape en bas code, Moïse Jean-Charles tape en bas code. Et c'est une raison que fait. La fort difficile pour criminels sa yo, pour terroristes, pour bandits à cravate sa yo, quitter que code pénal sa et code de procédure pénale la entre en vigueur. Parce qu'il y a trois belles bagailles là-dedans qui ka permettre que Haïti monte sur rail changement tout bon en vrai. Il y a trois belles bagailles là-dedans qui ka fait au mari bandi sa yo, bandi à cravate et bandi à sapate. Net alcoolé. Yo pa jam kite le passé. Tout autant, pa gon l'autre président, même Jean président Jovenel Moïse, qui gen cran comme ça, qui publie l et qui exige pour le passé, n'a toujours chaque temps pour arriver pour l'entrée en vigueur, a toujours Jean-Renel Sénatus a toujours sorti parce que c'est comme ça. Pour pas jamais venir répondre devant la justice pour Zakli avec vite l'homme. Et c'est pour ça que me fait nous entendre ça. L'entendre a fait gros ventilat, plus gros bruit comme ça. La radio avec la télévision, tous ces criminels, tous ces bandits, tous ces assassins. En tout cas, Haïti pas péri. N'a dit tout le monde merci du fait que nous t'étions en train dans la caille, non? Et si c'est première fois que j'ai une channel là, ou bien qu'on sur channel là déjà, mon poko abonné ou pas qu'on partage ou pas qu'on like et commenter, eh bien pas hésiter faire ça aujourd'hui là pour qu'à permettre que plus moun joigne channel là pour famille cadence ka élargi et pour nous ka continuer travail pour l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. N'a dit tout le monde à demain si Dieu veut pour un lot et débat pour avancer. Bye bye tout le monde.